Bonsoir. Alors, juste avant de me coucher, je vous informe aussi sur ma chaîne YouTube que j'ai renouvelé mon engagement sur 90 jours à prendre du temps pour moi d'une façon assez particulière parce que j'ai besoin de garder une certaine organisation dans ma vie, prendre le temps de planifier les choses. Prendre conscience de comment j'utilise mon temps et me délester au fur et à mesure de choses qui ne sont pas importantes pour moi. Et donc là, je suis à la beige, à l'hôtel. J'ai passé une journée extraordinaire avec Céline Martinez, Yannick Alain, Pierre Garcia, James Beams. Et au cours de la conférence de Cécile Amiel, j'ai pris l'engagement filmé de pendant 90 jours. Mon top départ sera à 22 h pour que je puisse me rappeler de faire. Ça ne veut pas forcément dire que je vais me contraindre à le faire à cette heure-là. Mais voilà, c'est dès qu'il sera 22 h, ça va me rappeler que j'ai pris cet engagement de tous les soirs faire la réflexion du soir selon la méthode du bullet journal de Ryder Carroll. Ça consiste à avoir un regard bienveillant sur les actions que j'ai posées pendant la journée, les choses que j'ai réussi à faire. Et j'ai piqué un point aussi qui a été dit pendant la conférence. Je ne vais pas seulement faire le point sur les choses que j'avais décidé de faire pendant cette journée-là, mais je vais aussi prendre conscience qu'il est important pour moi de rajouter les choses que j'ai fait en plus et qui n'étaient pas prévues initialement, mais vraiment de mettre de la conscience dessus parce que des fois je le faisais. Souvent, je ne le faisais pas. Donc, je vais porter une attention particulière à cette conscience de ce que j'ai vraiment fait pendant la journée et pas seulement mon rapport bienveillant à ce que j'avais prévu de faire pendant cette journée-là. Donc, voilà, le challenge, il est lancé. Et pour que ça devienne une habitude, pour créer une autoroute neuronale, c'est un challenge que je lance sur 90 jours. Là, je vous dis bonne nuit, je vais me coucher, il est tard.